C'est une ère de positivité qui réunit les engagés de la réussite totale ce 27 juin 2024 dans leur rencontre favorite qu'est la clinique de la santé et du bien-être. Le privilégié choisi pour tenir les rênes de ce rendez-vous est le coach Daouda Sani, DG de Dalad Consulting SARL-U. Sans préambule, les deux charmantes coachs au nom de Catherine Palonga, entrepreneur, et Claudine Akaku, présidente nationale du FIAD Togo, conduisent l'assistance dans l'exécution de l'hymne du Togo et du credo du FIAD Monde. Salut à toi, pays de nos aïeux. Je m'engage à aider chacun de mes amis à sentir ce qu'il a comme potentiel en lui. L'estime honneur revient ce soir au coach Komi Gaglosou, inspecteur des impôts à la retraite, de décréter la bienvenue à l'Assemblée. Avant toute chose, permettez-moi de vous dire merci pour tout ce que vous faites pour le FIAD Togo. Car votre développement aux objectifs de cette association se fait remarquer de jour au jour. Le thème de cette clinique de la santé et du bien-être est être bon au lit. Je vous prie d'être attentif aux talentueux, aux orateurs choisis. Je décrète une excellente soirée à tous et à toutes. Pourquoi ne pas aimer le FIAD, dit-elle. Elle, c'est la jeune et ravissante coach Gisèle Adams, épouse Foumé, professeur des lettres d'université. L'oratrice, dans la rubrique « Pourquoi j'aime le FIAD », exprime son amour pour cette association par un édifiant témoignage personnel. Pendant 12 ans, je traînais avec une maladie que je ne voulais plus sortir son nom dans ma bouche. J'allais à l'église, dans les prières, dans les hôpitaux. Analyse sur analyse, mais pas de changement. Je pensais que ma vie allait terminer ainsi. Mais aujourd'hui, avec le FIAD, ma foi et les outils, surtout la programmation, je décrète et proclame haut que je suis la santé, la vie abondante. Je suis une privilégiée consacrée de Dieu. Le FIAD me fait respirer. C'est mon deuxième poumon. Sur ce fait, je suis toujours en joie, une joie parfaite. Toi qui viens ici, quel que soit le problème que tu as, est-ce que tu es convaincu que ce problème a déjà sa solution? Est-ce que c'est vrai? Tu es convaincu? Si tel est le cas, tu vas témoigner comme cette dame. Si tel n'est pas le cas, je te convie à changer radicalement ta perception et ta décision de la chose. C'est très important. Je ne sais pas ce que toi tu vis, je sais ce que moi je vis. Mais je sais que ce que moi j'ai vu a pris fin. Ce moment émouvant ouvre la porte aux exhortations. C'est à toi de décider, c'est par cette phrase que le coach Toto Afiavi Delali amorce l'unique exhortation de la soirée. Seules les personnes décidées atteignent leur objectif. La décision est un jugement qui apporte une solution, alors que la résolution est un niveau élevé de décision. La seule chose qui rend un rêve impossible à réaliser, c'est la peur de l'échec. Ainsi, la différence entre le possible et l'impossible se trouve dans la détermination. Cher gagnant, tu ne verras pas la main tendue de Dieu si tu ne te lèves pas, si tu ne te décides pas. Dieu tend toujours la main à ceux qui osent. N'aie pas peur. Ne remets pas à demain. Décide-toi maintenant. Reste optimiste et focus sur ton objectif. Vient le moment crucial de cette rencontre, le développement du thème de la semaine. Celui de ce jour est titré « Être bon au lit ». L'orateur choisi pour décortiquer cette thématique est le coach Begbedom Pago, secrétaire exécutif du CDN FIAD Togo. L'amour est un don de soi à l'autre. Et lorsqu'il est fait dans ce sens,
Il permet à chaque partenaire de se sentir important, reconnu et apprécié. Pourquoi être bon au lit? Être bon au lit, c'est nécessaire, car faire l'amour permet de rester en bonne santé bien longtemps. Faire l'amour augmente un état de bien-être et ça rajeunit. Pour être bon au lit, ça doit commencer par les préliminaires. La femme a besoin d'être préparée mentalement. Pour cela, il faut lui dire des mots doux. Maintenant, pendant l'acte sexuel proprement dit. L'acte sexuel doit être comme un culte rendu à Dieu. À ce niveau, l'homme est l'acteur principal. Il doit explorer toutes les parties du corps de la femme. Maintenant, enfin, après l'acte sexuel, il est conseillé de passer du temps avec son partenaire pour digérer ensemble. Les participants sont ensuite appelés à faire preuve de générosité dans l'appel à contribution lancé par la première vice-présidente du FIAD Lomé, coach Rebecca Awondi-Dolo. Tu veux avoir de l'argent, il faut donner les miettes que tu as pour gagner les millions que Dieu a. C'est l'occasion et c'est à chacun de nous de jouer. Je ne vais pas parler longtemps. On va nous distribuer les enveloppes et chacun fera sa part. Dieu ne manquera pas de faire sa part. C'est le moment de vibrer à la haute fréquence et les participants se mettent en condition pour recevoir ces énergies dans l'atelier de programmation guidé du coach Michel Couvary, expert linguistique. J'abandonne mes mauvaises habitudes, j'abandonne mes mauvaises habitudes, j'abandonne mes mauvaises habitudes. Comme toujours, un cocktail de circonstances est prévu pour la soirée. Avec du sandwich accompagné de thé gingembre, les privilégiés se révigorent. Avec le coaching, être bon au lit n'est plus qu'une simple formalité pour les participants qui ont assisté à cette session riche en connaissances. Moi, j'aime côtoyer ceux qui ont l'esprit positif. Voilà pourquoi je suis toujours là chaque jeudi. Et ce que j'ai pu retenir aujourd'hui, c'est l'amour de soi et envers les autres et aussi d'aider tes amis. Même si tu n'as rien, il faut aider. Le peu que tu as, il faut vous donner et tu vas recevoir en retour. J'ai été très heureux de participer ce soir à la conférence. Et bon, je m'engage maintenant à revenir plus souvent. On a parlé de beaucoup de sujets sur l'amour, sur le don de soi. C'est sur ces notes que repartent les membres de la soirée, convaincus que ces connaissances seront d'une grande utilité pour le bon fonctionnement de leur vie de couple.